Salut à toutes et à tous, c'est UncadamaTest.com. On se retrouve aujourd'hui pour la 19e partie du mode de Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. Yes. Donc la dernière partie, enfin la précédente partie a été chaotique avec un orage qui a frappé chez moi, ça a été la panique totale, il a fallu que je fasse 15 milliards de montages pour pouvoir sortir la vidéo, je vous jure que ça me gaffe, mais bon, c'est les ennuis du direct, hein, c'est les ennuis du Walk Alive. Donc c'est pas grave, mais donc j'espère. Voilà. Ça y est, ça commence déjà, je tape mon micro, youhou! Bref, dans la présente partie, j'ai affronté Screaming Mantis. Donc Screaming Mantis qui était la dernière BNB, qui semblait n'être en fait qu'une pauvre âme torturée, dans laquelle on a plus ou moins implémenté la personnalité, l'esprit de Psycho Mantis. Donc en fait, d'une certaine manière, si j'ai bien compris le truc, c'est-à-dire que Psycho Mantis était le chef des BNB. Ou du moins, il était le commandant. Il s'est bien rattrapé le petit Psycho après sa mort, hein. Et donc je récupère le facecam de Screaming Beauty et on continue. D'ailleurs je tiens juste à faire une petite précision par rapport à mes souvenirs du jeu. Soit c'est la dernière partie, donc là je suis en train d'enregistrer la fin du walk, soit j'enregistre l'avant-dernière, soit ça va être en deux parties comme j'avais fait pour MGS 1 et 2, ou même trois parties comme j'avais fait pour MGS 1. Donc on va voir. Mais dans mes souvenirs je suis vraiment très proche de la fin, mais vu le nombre de cinématiques que je risque de me payer, je miserai plutôt pour deux vidéos. Donc celle-là et encore une autre. Après, moi, mes estimations... Snake. Where's Johnny? Ce que j'aimerais comprendre, c'est que normalement, ces soldats-là, elles sont contrôlées par les BNB. Maintenant que j'ai éliminé les BNB, il ne devrait plus en avoir. Snake, le corridor head est full de microwaves. We'll meet again on the other side. Go! Hurry! Non, on va pas jouer Meryl. À moins que mes souvenirs soient complètement brouillés, je me disais. Allez, c'est parti, on fonce. You were the lightning in that rain, and still shine through the darkness. Go! Go! Hurry! Hurry! Sorry, we'll meet again on the other side. It's time to do your duty. Failure will spell doom for the human race. Thank you.
longer. Damn it! I can't protect anyone. I can't. Meryl! Johnny! Johnny, you're all right! Here. Huh. You trying to make up for being late? Meryl. I'll never leave you alone again. Shots, I ducked out. Don't tell me you knew this was gonna happen. Nah, I just hate needles. So that's why you were always out of sync with the team. I tried to keep track of everybody's data on my wearable, but I could never keep up. And why you weren't affected in Europe on the Volta. Yep. Asshole. Johnny, I'm running low. Don't worry, I got these from Drebin. Meryl! Johnny, I never knew. All those horrible things I said. Forget it. All those stomach aches? Was that because the nanomachines weren't there to suppress them? Yeah. But if you're afraid of shots, why'd you join my team? I wanted to be near you. To protect you. Johnny? Meryl. I've always loved you. Ever since Shadow Moses, when I first laid eyes on you. Meryl, marry me. You've got a hell of a sense of timing. What do you say? I have to say, no. You'd rather stay single? Okay, but we don't have to make it official. No. Well, how about we just move in together then? Nope. Rather do things my way. Johnny. Marry me. Huh? I'll say it again. Marry me. Sure. It'd be my pleasure. Ah, au fait, juste au cas où vous n'ayez pas compris, Johnny, le Kakiba, n'est autre que le soldat donc qui a été foutu complètement à poil dans Metal Gear Solid 1 et qui était celui qui gardait Snake et qui était donc malade. C'est lui, c'est ce soldat-là. On doit dire qu'il s'est bien reconverti lui aussi. Hey. And don't even think about cheating on me. I wouldn't dare. And I want a real wedding. With flowers and a cake. It's been my dream since I was a little girl. I want to be a bride.
take me home, Johnny. Ça, c'est du couple. Même s'il y en a un, c'est un chiasson. Allez, on retourne dans le couloir de la mort avec Snake. Ok. Vous voulez jouer à ça? Merde, j'ai plus le... Tu me diras avec les deux... Je préfère largement le P90 et plus de munitions dans les charges. Un mauvais réflexe pour désolé. Merde. Ah la vache, y'a du monde, y'a du monde. Merde, j'ai plus de balles dans le chargeur. Ah, j'ai tenté de passer avant force. Attends, juste histoire d'éviter les big fails alors que là on est un point de culminance scénaristique, on va dire. Voilà. Bah, Snake avance tout seul, je peux plus rien faire là. Oui, il y a beaucoup de cinématiques. Attends, c'est les adversaires vite quoi. Allez, Metal Gear Max 3 contre tout ça. Allez, à l'assaut, ta conne. Non, il veut pas. Allez, notre petit suicidaire. On va pas comprendre ce passage là, mais bon. Snake, leave this to me. I'll go to the server room. The corridor's full of microwaves. One of us is enough. My body is a machine. I can take it. Your body may be a machine, but your heart is human. You've got a life.
She means nothing to me now. Run! Look at me. Une petite pensée pour les ennemis qui sont en face mais qui ne bougent pas. You still have your youth. Don't waste it. You can start over. From here on, this is my fight. We tore the world apart. Made your life a living hell. It's my duty to put an end to all of this. All right. I'll make sure they don't get through. Stay with me, Snake. Hold on until we insert the virus. Alors là, ça met du jeu, il n'y a plus d'or chez moi. Et plutôt que de se dire que dites. Il peut servir que d'un couteau et... Donc c'est dire, ah, les gars, il a juste une petite épée qui tient entre les dents et si on utilise les armes à feu. Oh non, on sort les machettes, c'est trop cool. Thank you. Bon, c'est pas comme si on avait la main sur toutes les armes du monde, mais bon. Alors est-ce que je... Non, je contrôle pas Raiden. Le voilà notre fourmi. Snake, that place is saturated with microbes. The longer you stay in there, the greater damage you take. Get through there as quickly as possible. Ils ont envoyé des métal guerriers, regardez bien en haut. Bah l'armure là, elle est en train de lâcher. Faut que je fasse une marteau et triangle, j'ai rien d'autre.
pas que je fatigue, faut pas que je fatigue. Pendant ce temps-là, Sony est en train de faire cuire des œufs pendant que le destin du monde est en train de se jouer. Non, je vais crever, non, non, non. Je suis pas mort, c'est ce qui compte. Y a combien de doses dans cette putain de seringue? Si Takon pouvait se détruire JW tout seul, moi perso je renvoyais juste le petit robot et puis c'est tout. Placement de produit.
que ça rappelle quelque chose, ça. It's over. They did it. Oh, Johnny. Ah, c'est ça la magie des armes automatiques. GW, is it removing the other clones? No. Wait. I don't believe this. Naomi. Otaka, what is it? JD is being erased. Snake. Hal. It's you, isn't it? I hope you're listening. Oh. The virus you uploaded is using GW as a conduit to annihilate the entire AI network. It's set to destroy all four AIs, along with JD. Core that tied them all together. I've set this video to play back once they're all gone. Sons of the Patriots was only the beginning. The Patriots were planning to use nanomachines to implement the system over the entire population. I had an obligation to stop it. With a little help from Sunny. She helped me. She believed her talents could help you all put GW to rest. What she created was an anti-AI fox die. But this virus's name is Fox Alive. It's the conceptual opposite of the nanomachines that I created all those years ago. We wish to free the captured foxes. To let them run free in the wild. By the time you hear this, I'm afraid I'll be gone. It's a strange feeling, leaving a message to be delivered after you've died. Hal, if you're listening, sorry, I deceived you. It hurt me.
me more than anything else. Lying to you like that. I wanted to apologize to you before. But I never got the chance. Oh, me. And yet, in the end, you helped me feel the joy of living. Thank you, Hal. Thank you. You've earned your rest. The rose petal is about to fall. Snake! Tintin! Oui, j'aime bien massacrer ce genre de truc. Je réfléchis, m'arrêter maintenant. Comme ça, ça fait une petite partie où j'ai pas fait grand chose. Et ça me laisse un temps totalement libre pour la suite. Je pense que je vais faire comme ça. Donc je m'arrête ici. Même si ça fait une partie courte, mais je sais que par la suite, il va y avoir tellement de choses qu'il faut que je fasse un maximum, enfin faut vraiment que je m'organise bien et c'est pas facile vu que je sais qu'à la fin ça va être très très long. Très. Mais quand je dis très, c'est vraiment très long. Extrêmement long même. Donc c'était un kodamatest.com pour la 19e partie du World of Metal Gear Solid 4, Kings of the Patriots. J'espère que cette vidéo vous aura plu et comme toujours, je vous encourage à visiter les liens qui sont dans sa description, qui mènent au site, au forum, ainsi qu'à la chaîne YouTube de ma test, et moi, j'espère vous retrouver pour la prochaine vidéo. Salut !